Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Lady, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non, je rigole, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Petit clin d'œil à Lady, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube parce que pareil, là, il lâche pas, il est à fond, il fait plein de vidéos sur plein de jeux, hein, Minecraft notamment, mais également, il est en train de faire un let's play, même deux let's play, je crois, si je dis pas trop de bêtises, ou alors je dis des conneries. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai vraiment la chaîne de Lady dans la description, vraiment envie de lui faire un petit clin d'œil. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Minecraft, sur Madventure, ça faisait longtemps. Voilà, aujourd'hui, on va vraiment faire un world tour. J'avais vraiment envie de voir un petit peu ce que les acolytes ont fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la map. Déjà vous voyez derrière moi une sorte de globe qui a été fait par Roros derrière, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Je sais déjà ce qu'il y a, enfin entre temps ça a dû encore changer, mais je vais vous montrer. On va essayer de trouver l'emplacement de L7C Fox, parce que je sais toujours pas où c'est qu'il est. Donc on va essayer de trouver son emplacement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment donc là-bas chez Théo Camillo, ça a été amélioré. Mais également là-bas, vous voyez, là, il y a une maison maintenant qui a pop dans ce... Je sais toujours pas à qui ça appartient. Va falloir essayer de résoudre l'énigme. Oh putain, c'est une déesse le truc. Donc c'est quoi ça? C'est une sirène? Les sirènes. Bref, les amis, on est parti du coup. On va explorer un petit peu tout ça. D'abord, je vais vous montrer du coup le globe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien tout simplement c'est une world map, une idée de Roros. Voilà, il a eu l'idée de faire une world map, enfin une carte du monde, pour justement trouver où sont les acolytes. Bah d'ailleurs peut-être qu'on va voir où c'est que L7C Fox est implanté, ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas c'est ce que nous allons voir dans un instant. Voilà, en attendant le temps de vous parler, j'avoue, moi je fais plus rien sur Minecraft, sur Madventure. J'en suis absolument triste, mais j'ai vraiment pas la motivation, pas le temps, et quand j'y vais, j'ai envie de rien faire. Voilà, je vais être honnête avec vous, je préfère être sincère, et vous me connaissez de toute façon avec Minecraft, hein, j'ai un problème, c'est une vraie relation toxique, mon pote, j'ai jamais vécu ça, c'est vraiment, je kiffe le jeu, puis je le kiffe plus, vraiment, je veux juste rien faire, mais ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo, parce que moi, je suis content, le serveur, grâce à OMG Serve, encore une fois, merci beaucoup à OMG Serve, 5% de réduction avec le lien en description, n'hésitez surtout pas, meilleur rapport qualité-prix, hein, j'insiste, mais voilà, au moins mes acolytes sont heureux. Je sais que L7C Fox par exemple, il m'a fait encore un retour récemment, il est super content de pouvoir jouer sur le serveur et il ne pense qu'à ça, et ça, ça fait trop plaisir. Moi je pense vraiment pas à Madventure, mais les autres y pensent et c'est trop cool. Donc moi je suis content, moi j'ai fait voilà, au moins je sais que je sers à quelque chose à ce niveau là Alors comment on fait pour rentrer là dedans? J'ai vu qu'il y avait des portes ici. Ah, ça c'est gênant. Très bien, donc voilà, c'est le début de la map. Et donc si on regarde, voilà, on a Mkolo qui est ici. My goodness, Théo Camillo, Vass dans Far Cry 3. Vass, c'est le méchant de Far Cry 3. Mais c'est qui est là alors? Du coup, on sait toujours pas à qui ça appartient. Vass, qui c'est qui joue à Far Cry 3 dans le lot? Ça peut que... En fait, c'est L7C Fox qui me fait une blague, à mon avis. Alors, on peut constater du coup, par exemple, si je dis pas de bêtises, que là, ces chunks n'ont même pas été explorés alors. D'accord. On a Roros donc qui est là. Alors, souvenez-vous. Là, ça va rappeler les souvenirs. Pour ceux qui m'ont suivi quand on avait démarré Madventure, souvenez-vous, eh bien, on avait le biome Mushroom juste ici. Ça, c'est le biome Mushroom, là où on avait récupéré une vache champimeux. On a le biome Mesa ici, hein, là où on avait commencé justement à trouver des biomes Mesa. Et donc, Roros, il est installé juste à côté, au final, de l'endroit. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que là, c'est le biome de Cherry, là où j'avais dit que je voudrais peut-être m'installer un jour. Bon, au final, le jour n'est jamais venu. Mais du coup, Roros, il s'est installé juste à côté. C'est absolument génial. Donc, vous voyez, il n'y a même pas besoin de prendre le portail du Nether pour aller plus vite. On sait où il est. Et là, ça mène à quelque part, mais je ne sais pas où. Peut-être chez Lydid. Et là-haut, on a Aurélien. Ah, Aurélien, il est là-haut. Très bien. Voilà, bon, chacun s'est un petit peu dispatché. Très bien. Donc, c'est vraiment cool, cette map, parce que ça va vraiment permettre de un petit peu nous retrouver, voir un peu où sont les acolytes. Ah voilà, on peut sortir par là, let's go. Il y a une vraie entrée sortie. Parfait, je vais juste fermer la porte du coup que j'ai ouvert ici, parce que ça me stresse. Voilà, donc très très bonne idée de Roros. Donc là-bas on a Lix, bien sûr ça ne change pas. Il n'est pas revenu sur le serveur entre temps. On a déjà vu plusieurs fois ce qu'il a fait, ce qui est absolument génial. On va faire un petit tour du coup chez dans l'ordre. On va aller voir de nouveau Théo Camillo. On va aller voir Vass du coup, très bizarre Vass. Donc la construction mystère là-bas, réserve naturelle, tout ça. J'aimerais vraiment savoir à qui ça appartient. Et puis après, on va prendre nos élytras et on va essayer de trouver l'emplacement de L7C Fox, parce que ça commence à me stresser. J'avais fait un petit chemin aussi, voilà, j'ai eu un petit moment. Alors, petite,
Ouais, bah voilà, comme ça je m'en souviens, j'avais fait ça le 14 juillet. Voilà, j'avais le défilé du 14 juillet sur ma gauche et je faisais le chemin sur ma droite. Voilà, il y avait Anne-Claire Coudray qui était en train de. Alors, voilà, du coup, j'ai juste fait ça, mais vraiment, sinon, j'ai envie de rien faire sur le jeu. Je vais être honnête avec vous, franchement, j'ai envie de rien faire. Donc là, il a fait une petite passerelle. Théo Camillo, M'Kolo et Théo peuvent vous voir? C'est une plaisanterie, ça. C'est une plaisanterie. Ah d'accord, c'est s'il y en a deux qui veulent niquer en fait. D'accord. Et nous on peut les voir, on est tellement curieux. D'accord, ok. Non, oui. Alors, bon, ceci étant dit, ceci étant fait, on va continuer. C'est sympa là ce petit passage. Il est interminable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me paraît plus long qu'avant. Ah, il a dû changer quelque chose à mon avis. Non, même pas. Bah c'est très bien, c'est très mignon, voilà, c'est très coloré. Et là on arrive ici, chez Théo, merci de refermer cette porte. Voilà, hein, suce mes boules. Non, je rigole. Voilà, alors nous avons des petites transats, nous avons une piscine, toujours. Alors je crois que ça n'avait pas changé. À vos risques et périls. Ah, il a fait un nether ici, bon on va pas y aller. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte, bien sûr. Moi je vais tout en haut parce que je suis un génie. Bon. Eh, c'est profond, hein. C'est profond. Alors on a un champ de blé juste derrière les transats, ça doit puer le foin, moi je te dis quand tu fais bronzette. Petite... Putain, c'est super mignon, super cosy, là. J'ai envie de boire une bière, là, tu vois. Une bonne bière. Alors, il y avait des trucs que j'avais pas regardé apparemment derrière. Il m'avait dit, non, il y a rien derrière. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh! Eh ben, voilà, j'ai trouvé où c'est qu'il est, SS Fox, à mon avis. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Je pense que j'ai trouvé. Alors, ok, on peut sortir par là. Bon, on connaît plus ou moins. Ah, j'ai pas pris de lit sur moi, le soleil va se coucher. Alors, attendez, du coup... On va juste dormir chez Théo Camillo, ça le dérangera pas, j'espère. On va lui trouver un lit. Je pense. On devrait en trouver facilement. Ça, c'est sa salle des coffres. Je pense qu'on peut monter par là. Très bien. On a un petit coin de chill. Chambre d'amis. Et ben voilà, chambre d'amis. Oh, et c'est vrai qu'il a une belle petite vue, le cochon. Oh, il y a de la construction là aussi en face. Mais attendez, mais moi j'avais pas capté tout ça. Parce que ça encore, ok. Là, il peut m'espionner et tout. Putain, là, il va me toucher mon nez, là, c'est incroyable. Voilà, bah, je suis fatigué, j'aimerais bien dormir, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Voilà, après une bonne nuit, on s'est requinqué. Salle de bain, on va se nettoyer le visage. Hop, voilà, tac, 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 impeccable. Et on se barre. On se barre et on va voir qu'est-ce que c'est que ces nouvelles constructions qui viennent d'apparaître derrière et qui sont peut-être là depuis toujours, mais que j'avais jamais fait attention. Donc on va aller voir, on va commencer par là-bas bien sûr, c'est une bonne idée. On va commencer par le plus loin, hein, je pense. Oh là. Non mais attendez, il y a trop de trucs là. Il y a trop de trucs. Bon ça c'est une salle à mob hein, à mon avis. Hein. À mon avis... Ah non, lieu de fouille libre, bon minage. Comment ça? Comment ça mon ref? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, il y en a qui font des cartes, des chasses au trésor, c'est ça? Hein, ouais, c'est un site pour miner quoi. D'accord. Mais ils ont pas pensé à comment ressortir. Ah putain. Ah ouais, d'accord. Ah, je suis un peu teubé. D'accord. Bon, c'est pour faire du minage. Très bonne idée. Très très bonne idée. Il y en a qui ont de l'imagination quand même. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Même moi, j'ai plus autant d'imagination. Franchement, je suis en train de rouiller, je crois. Alors, on a pas mal de cannes à sucre ici. On a une belle petite maison qui nous attend. Je pense. Je pense. Que L7C Fox est par là-bas. Je pense. C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, s'il était là depuis le début, je l'avais jamais, jamais remarqué que c'était ici, tu vois. Donc c'est assez amusant. Donc on a des tournesols ici. Petite... Putain, c'est sympa, mais c'est un village en fait. Il a fait un village. Mais non, mais en fait... Mais non, tout ça, ça a été construit à la main. C'est pas un village généré, ça. Hein? Ça a été... Tout ça, ça a été construit à la main. De toute façon, j'avais jamais vu ça avant. Ouais, tout ça, c'est construit à la main. Hein? C'est pas un vrai village? Non? Attendez, je suis perdu. Oui, non, tout ça, c'est construit à la main. Il y a un mec, il a fait un vrai village. Putain, mais c'est génial. Je sais pas c'est qui a fait ça, mais je trouve ça trop cool. C'est un vrai village PNJ. Hey, Mojang, engagez-le. Première pierre posée pour ce village, 27 juillet 2023. Ah, putain, mais c'était il y a 3 jours au moment où je tourne la vidéo, ouais. Incroyable. En 3 jours, il y a un village qui a pop. C'est génial. Hop, je récupère la baie. Vraiment sympa, on sait toujours pas qui est le responsable de ça. Il y a toujours une pomme et une patate.
Oh là. Oh là. Il y a des trucs là. Il y a des trucs. Ok, bah je ne sais même pas si c'est L7C Fox du coup au final. À tous les coups c'est pas lui. Non je sais pas, j'en ai aucune idée. Il y a aucune... Les mecs, mettez des panneaux s'il vous plaît. Bon, on va aller voir... Hop. Parce que là il y a plein de nouveaux trucs là. Là il y a des sirènes, il y a un bateau. Magnifique par ailleurs. Sortie. Putain mais à chaque fois ça change quoi. C'est incroyable. Chemin vers le phare de Chassiron, le petit jardin, l'épouvantail. Première à droite. Enclos à poulet. L'atelier du jardinier, la ferme aux animaux. Oh là, il a fait un petit ponton là. Putain, mais c'est. Voilà, moi je suis largué hein, sur Minecraft. Hein. Franchement, quand je vois tout ça, moi ça me. Ça me dépasse. Oh, waouh. Eh oh. Ah! Ça peut nous donner un indice sur qui a fait ça. Bon déjà c'est pas Aurélien, moi je pensais que ce serait Aurélien. Mais Aurélien on sait qu'il s'est installé beaucoup plus loin. Et le fait qu'il y ait une map là, bah non mais ça peut pas être Roros. C'est pas Roros puisque Roros il s'est installé à côté du... rien à voir. Putain mais c'est super chouette ça. C'est absolument génial. Mais purée qui a fait ça? Mais c'est incroyable. Non franchement, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Qui c'est qui aurait fait ça? Méphaïstos, dieu du feu. D'accord. C'est formidable. Hein. C'est formidable. Bah, je ne sais toujours pas c'est qui a fait ça. Hop là, le petit MLG qui fait toujours plaise. Là, on a peut-être des indications. Chez Mkolo et Teokamio, océan, mer, plage, biome, neige. Chez My Godness, ok, c'est les indications. Très bien. Village 1 et 2, biome jungle savane, biome mushroom dessert. Désert. Ouais, c'est un peu loin quand même, mais ouais, ouais, d'accord. Eh ben, je ne sais toujours pas à qui appartient cet endroit, mais formidable. Formidable. Bon, faut qu'on trouve où c'est que L7C Fox s'est installé. Il a dit qu'il était à l'opposé. Donc, ce qu'on va faire. Ah ouais. C'est suspendu, j'avais même pas fait attention, c'est super haut le truc là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler. Hein, j'ai réparé mes élytras un petit peu du mieux que j'ai pu. En espérant. Ouais, alors ça, les petits rollbacks, ça va être un petit peu pénible. Donc on va faire un petit tour, pas trop loin. Et ben voilà. Ah, ça, c'est une salle à mob, ça. Ça, c'est une salle à mob. Ouais, ça, c'est une salle à mob. Mais attendez, je suis jamais allé là ou quoi? J'avais jamais vu le potentiel de cet endroit, tu vois. Très joli. Bon, j'essaie de balayer un petit peu la zone. Ok. Bon, manifestement, personne n'est installé ici. Ça, c'est curieux quand même. Là, c'est la base de l'X. Ça ne change pas. Attends, mais c'est trop... c'est généré trop bizarrement. Je suis jamais passé par là en vrai, hein, donc c'est pour ça, moi ça me titille. Bon, Fox il est censé être dans les parages à skip. Hein. Enfin, je pense. Il est censé être dans les parages. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ne vois rien. Bon, là-bas il y a le village. Je ne comprends pas. Non mais pour moi c'est... moi je pense que Fox... non mais ok, je sais où il est Fox. Il se fout de notre gueule depuis le début. Je vais vous dire moi ce que je pense. D'abord je fais encore le tour pour être sûr. Comme ça on profite en plus de cette magnifique vallée. Parce que c'est quand même beau hein, là où on est hein. Vous avez vu c'est quand même c'est quand même bien mignon. Ouais. Là, il y a le petit village à côté. On en a chié hein, pour ramener les villageois, je m'en souviens. Très bien, bah, j'ai ma conclusion. Bon, là, My Godness, il est installé ici. Hein. Ah. Moi, ma conclusion, c'est qu'on se fout de ma gueule depuis le début. Et que tout simplement, ce que vous voyez là, juste en face de nous, tout ça, là. Et que vous dites...
que c'est VAS, et ben en fait c'est tout simplement L7C Fox. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que L7C Fox, à chaque fois, il disait ouais, my godness et moi, on est le bas peuple, on est en bas de la colline, pendant que Mkolo il est en haut. Donc moi je savais déjà qu'il était installé en bas. My godness, on sait qu'il est installé en bas. Et Fox, bah, il est censé être installé en bas. Sauf que tout autour de la colline, je ne vois pas où c'est qu'il peut être. Deuxièmement, à chaque fois que j'allais ici, il arrêtait pas de dire pas du tout, je suis à l'opposé. Donc maintenant ça commence à sonner faux. Troisièmement, il m'a écrit récemment en disant que là la construction ici était super jolie. Je trouvais ça bizarre quand même. Maintenant qu'il insiste et qu'il dit que cette construction est jolie, je pense que c'est parce que c'est tout simplement que c'est lui. Et quatrième truc, ben on avait déjà eu des discussions concernant Ubisoft et la licence Far Cry. Donc je considère que bah, il kiffe Far Cry 3 notamment surtout. Et voilà. Donc voilà Fox, je t'ai cramé. Je sais que c'est toi qui as fait ça, tout simplement. Et ça se trouve c'est pas lui, mais moi je pense que c'est Fox. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésite pas à mettre fin à l'énigme également. Moi je pense que c'est toi. Moi je pense que c'est toi. Donc voilà un petit peu pour ce petit world tour. On pourrait aller voir Roros, Aurélien. C'est vrai Aurélien, il faudrait qu'on aille voir un jour. Donc ça pourra toujours prêter une autre vidéo éventuellement. Sait-on jamais? Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quand on se retrouvera pour la prochaine vidéo Minecraft. Mais en tout cas, voilà, on aura fait un petit tour de cette colline, tout simplement. Voilà, un fil colline. Allez, des bisous, petit pouce bleu quand même, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à acheter un œil à la description, l'ID, et puis OMG serve. Ciao tout le monde!